Cristiano Ronaldo. Ça va être un down hein, pour le cri-cri, même s'il a battu encore un record. Je pense qu'il va se prendre un 90 dans la tronche. Neymar, 89 de général. Prochain FIFA, moins 10. Neymar n'est plus aimé, il a plus d'amis, carte argent. Neymar, ça va prendre cher l'année prochaine. Donc Messi, down, bien évidemment. 91, j'imagine. Beaucoup moins effectif à Paris, même si c'est pas que de sa faute et il a quand même des petites stats. Mais voilà, moins tueur, moins créateur, on peut moins lui faire confiance. Et voilà, c'est logique aussi avec le temps. Lewandowski, qui a 92 de général. Je pense que, ouais, ça va être un up pour Lewandowski, qui va peut-être devenir le meilleur joueur de FIFA. Mbappé, bon, bah ça va prendre un up. Donc en fait, le prochain FIFA, pour moi, les deux meilleurs joueurs sont Lewandowski. Qui est Mbappé. Mais je pense pas que tu peux mettre Mbappé tout seul meilleur joueur du jeu. Je pense que vraiment Mbappé 93 et Lewandowski 93 seraient pas déconnants. Donc moralité de l'histoire, est-ce qu'on est d'accord pour dire que l'année prochaine, Mbappé et Lewandowski seraient les meilleurs joueurs de FIFA 23?